أزر فلوان نقرأ نغالد ثكلت أغزر أشعال غر دكتور سعيد سعدي أشكو ذغن إثكت نظن أثن إسوفا ديون ومجند سوزاليس السكين وين ميفكا أزول أتدينيغ فرانسيست إديولوجي أو بلوريال ديتفو نار مزمرة دامو أرنث قبيليت أتدينيغ قبيليت تسنكتي وين ثنمد إدنم تسنكتي وين إدنم بس قسيم واحد نسقردش شككي تصلت انك كمال امباري سنير كمال ازول فلاك ازول رشيد ازول كراون تكولان تيكوساك اتخسي كنا مزوانو تنفذو سواني دينا كي سريد تدينا فرانسيست اتدار قبالي ثمبا دينا دكتور سعيد سعدي امسلاينا كي ذاكن انك ان بوبل مور ou regresse quand il tire aucune leçon du passé. Masqalith Araf et Mitsath Naritsura Ragdefir Meila Urizmir Adijwil Thimsirin Sugmuzoy. The Shum Ibradini Dakir Akamel. Saïd Sadi, dans la dernière contribution, Nisma Hitzwaret Gawel, idéologie dites-vous, Saïd Sadi, يبغى يدير ويدك نيلان بربات الرشاد توجور باسكو ويدك نيلان كاتن يوكن لو بروجي ريبوبليكان اي مودرنيس نو بلوس بلو فانغر اي بلوس بلو سورتير فانكور دو لا ريفولوسيون دي 22 فيفري دونك سايد سادي ا ترافير سيت ديرنير كونتريبيسيون il veut démontrer qu'on ne doit pas refaire la même erreur et c'est pour ça qu'il m'a cet arraché un peuple meurt ou régresse quand il ne tire aucune leçon du passé. Ça dit nous avertir il a qu'un justement de tirer des leçons du passé et on ne va pas faire les mêmes erreurs à ça ni razka. Donc ça dit il faut tirer des leçons du passé sinon on est appelé à mourir ou à disparaître ou à régresser. Il veut parler, il est parti de l'histoire juste contemporain, on peut dire, de la révolution algérienne, en partant du congrès de la Souma. C'est-à-dire, en 1957, au Caire, on a assassiné le projet de la Souma de Aban, et en décembre 1957 de la même année, donc au Maroc, on a assassiné physiquement Aban Ramban. Donc, pour éliminer le dernier rempart du projet républicain et moderniste, pour laisser la place et le projet défendu par Rabat Jamal Abd Nasser et Saïd Doukalis, un peu plus de Rabatis, mais il s'est mis et aucun le projet panarabiste va voir le jour une fois l'Algérie indépendante. Donc, ça, il a dit, il est parti de ces leçons d'histoire et aucun il va nous avertir et pour ne pas tomber dans le même piège. Donc, le courant arabo-islamiste de l'époque même, donc, ils ont évacué les questions de principes humanitaires ou de valeurs universelles, les droits des citoyens, liberté fondamentale, Tharbath justement Ben Bellet, Tharbath Nouilek Nilan, Nghan, le projet de la Souma, Nanas Billy, les questions électives, les questions, les principes fondamentaux, on va les laisser juste après l'indépendance, il y aura un or, après ça ne pose pas de problème. Tout à l'urgence, si par rapport à l'ennemi, il faut combattre l'ennemi, ben après ce midi, il y aura un or, ce n'est pas un problème. Donc, à l'époque même, les modernistes du FLN, Chatt-Mouilek-Nilan défendent cette option-là justement de la modernité de l'Algérie, et eh bien justement, on peut dire ils ont en quelque sorte laissé, ils n'ont pas pu vraiment défendre ce projet-là vraiment, et bien sûr, on peut dire qu'il y a une prédominance, si on peut dire, donc des idées populistes. Des gens qui défendent justement, qui sont rattachés et manipulés même par Jamal Abdel Nasser. Donc, l'armée des frontières, donc depuis l'assassinat de Aben Ramdan, justement, il n'y a que de l'idéologie. C'est-à-dire, l'armée des
entière soumise au dogme conservateur. Le journal El Mujahid, qui est de tendance républicaine, il a commencé à distiller l'idéologie islamo-populiste. Donc, ils ont presque, on peut dire, abandonné la perspective républicaine. Donc, ils ont saisi l'occasion depuis l'assassinat de Abdel Ramadan et ils vont justement remettre, on peut dire, sur le tapis la question d'idéologie afin de dessiner l'Algérie de demain qui va être arabo-islamique. Donc, en 62, les républicains, justement, par rapport à leurs idées, eh ben, ils étaient complexés par le nationalisme des olémas et ou l'achemot des arabes, les olémas, ils ont rejoint la révolution les derniers et ils étaient, on peut dire, ramenés par Abdel Ramadan. Et même malheureusement, eh ben, même si ils sont revenus en retard à la révolution, ils ont tiré profit de la révolution algérienne. Donc, les islamistes ont réussi, on peut dire, à rendre la question idéologique comme toxique, mais en même temps, de l'autre côté, ils sont infiltrés pour imposer leur façon de voir les choses, en reportant justement la discussion sur les questions de principe humanitaire, philosophique ou justement il va dessiner l'Algérie de demain. Et ben malheureusement les questions comme l'égalité des sexes, liberté du culte, respect de la vie minoritaire, etc., pas mal de principes qui sont universels, malheureusement ils ont pu évacuer ce débat là et on connaît la suite. L'Algérie est arabo-islamique et tout le monde se rappelait de la déclaration de Ben Bella juste après la prise de pouvoir, lorsqu'il a déclaré l'Algérie est arabe, arabe, arabe. Voilà, Rachid, qui est le sixième comme joueur. Tanbirta Kamal, ce qui est dit, d'accord, docteur Saïd Saadin, il y a une facilité de voir ce qui est, idéologie de vous, il n'est que la même supercherie ou du prix aujourd'hui. Par rapport à ce qui s'est passé pendant la révolution de 54, mais matinière à Kvelit, il y a une question, il n'est que le courant fondamentaliste représenté aujourd'hui par Rachad, justement, il a appris les leçons de l'histoire. Le problème qui se pose justement, ce sont les démocrates et les républicains, la famille qui avance, qui n'a pas tiré ses conclusions. Mais le mouvement Rachad, les islamistes ont bien appris les leçons de l'histoire, ils l'ont appliqué à la lettre par rapport à ce qui se passait justement. Par rapport justement à la mise à mort du projet de la Souma. Donc, vous voyez que Rachad, justement, selon Saïd Saadi, justement, il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a pas d'idéologie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de référent aux principes fondamentaux de la démocratie. Il n'y a pas de référent aux valeurs universelles, pas de référence aux valeurs humanistes qui va fonder la démocratie. Donc, nous n'avons pas les valeurs d'actifs universelles, les valeurs humanistes qui s'inspirent déjà de la philosophie des Lumières en Europe au XVIIIe siècle. Nous n'avons pas, ce sont des valeurs occidentales. On n'est pas de l'Occident, donc on n'a pas à copier par rapport à leurs valeurs. Donc, ils manipulent par rapport à ce genre de choses. Et ça dit malheureusement, le premier round par rapport à la, il veut parler de la révolution, la première partie, il n'est malheureusement les islamistes et Erbhan me dire la partie, c'est comme d'un terrain de boxe parce qu'il parlait du round, il n'est pas implicitement, c'est la charia qui a gagné et donc c'est pour ça que nous on est Zaren
exigent l'ouverture des mosquées, etc. Donc, c'est ce qui leur intéresse, c'est la question de la religion. Voilà, Rachid, soumettez-vous de notre santé aussi. Oui, تنمث كمال سكسيري دي تدون كمال ذاك سايد سادير مسليد الفيني بو يسمى فرانسيس ليديو اوتيل انو يدي لهذا كيرا كمال ذا مالوروزمون سايد سادي il vise une partie de l'écrasse carne clé du mec d'Aden, les démocrates, ce qui appartient à la femme qui avance, il n'est pas là, malheureusement, il est dit Gestalt des islamistes, Gestalt Rachad, ils sont manipulés et ils les qualifient d'idiots utiles. C'est-à-dire les islamistes, Terbath Rachad, Hwajin des idiots utiles, Hwajin, Widek Nechosam Gilfhaman, Widek Nilang Niensen, Bashin Newin, il projet, et Usnfarn, les islamistes, Yukatur Nilhkem, Amchwotan, Imzura, Nilan pendant la révolution. Donc Rachid, voilà, c'est-à-dire malheureusement, Saïd Saadi, il visait, Khiraï Mekdadan, Khiraï le démocrate, Khiraï Khnilan Zamal appartenait à la famille qui avance au lieu vraiment d'être vigilant et de veiller pour que les principes, les valeurs fondamentales puissent naître et conquérir et construire un État républicain et démocratique, là où il y aura la pluralité, il y aura vraiment de la liberté. La liberté de culte, de conscience, de séparer la politique de la religion, etc., l'égalité des sexes, le droit des minorités, etc., le droit à l'opposition, l'expression, malheureusement, que certains, ils ont failli à leur mission et ils ont emprunté une voie qui vont être condamnées par l'histoire. Voilà, Rachid, par l'idiot utile. تنمية كمال سخصير دي تدون دوين يشدن غف أندر أي غلان أمناضين أمنات ذكن سايد سادير يند مسليد سلطان ريجونال سادير نغف كي كانت مزغا يند إلا واني دي تهجينا كي كي وقاد يقلع من يسنا وقاد غير نتلقى في نجاري فاسنسن Qu'est-ce qui se trame et se confie aujourd'hui, selon Dr Saïd Saadi, sur un plan régional? Justement, Saïd Saadi, je veux dire que la question régionale est importante, surtout par rapport à la guerre ni l'Iran, la Libye. Il n'est pas que l'international des islamistes est en crise, le wahhabisme il recule, et aujourd'hui, ceux qui ont pris, ceux qui ont de la place, ils ont des relais. Ce sont les frères musulmans qui sont manipulés par la Turquie, donc Erdogan et le Qatar. Donc pour Saïd Saadi justement, jusqu'à septembre 2001, et tous les Américains, etc., manipulaient, utilisaient, on peut dire, le wahhabisme, donc à travers l'Arabie Saoudite, pour pouvoir justement manipuler et pour endoctriner. Justement, l'Afrique du Nord, même en Orient, tout ça, pour utiliser les islamistes contre le communisme et contre donc, la puissance russe. Mais depuis septembre 2001, les Américains ils ont tiré leurs conclusions, donc ils ont cohabité avec le diable, et on sait ce qui s'est passé, parce que Ben Laden lui-même, il était un agent de la CIA, donc il était utilisé par les Américains. Mais à partir de septembre 2001, les Américains ils ont changé un peu de stratégie. Donc les frères musulmans, par le moyen de Qatar et de la Turquie, et c'est eux qui sont les relais pour transmettre leur venin, Smensen, et Branit Dawini, l'Afrique du Nord, principalement, donc Amelzer par exemple. Donc, il y a quelque chose de l'international islamiste, donc il forme leur agent, il oriente ses adeptes dans le cadre de la stratégie globale. La cible, c'est l'Afrique du Nord. Et c'est l'irrédentisme amazigh. C'est-à-dire le nationalisme amazigh. Tant qu'il est dans l'identité, donc il est de leur vision du monde, ça posait un problème pour justement les conquérants iraquiens.
islamistes et frères musulmans. Donc, pour eux, c'est une priorité. Il faut détruire le, on peut dire, le dernier foyer de résistance d'Afrique du Nord, principalement la Kabylie, parce qu'ils savent que la Kabylie, c'est le dernier rempart, on peut dire, pour pouvoir mener leur politique. Donc, les frères musulmans, ou les Zmirad Saouton, à Darabizine et à Dislamizine, l'Afrique du Nord, Blemes-Sahline, la Kabylie. Donc, c'est pour ça que, d'après Saïd Sadi, il n'est pas justement la Libye, donc sur un plan militaire, Doha et Ankara, donc et, la Libye sera comme un pont. Sinéridadine, il n'y a que pour on peut dire, une question de domination et de reconquérir. Mademoiselle Erdogan, l'empire turc, donc ça veut dire qu'il a, il a des idées conquérantes. Et sur un plan politique, ça dit, je veux dire, le cas de la Tunisie, donc le relais, c'est de. C'est donc la politique de l'entrisme. Et c'est la même chose aussi pour le Maroc. Et justement, ça a dit fait un bien. Il suffit d'écouter le grand militant et intellectuel Amazigh Ahmed Assid. Et d'ailleurs, juste pour titre, pour dire que Ahmed Assid fait partie parmi justement les militants engagés pour la question Amazigh et Chatif Amioun, Achetron. Donc, la question de l'expansion, on peut dire, des idées des frères musulmans, Saïd Sadi nous avertit et qu'on doit faire attention. Voilà, Rachid Tirit, vous souci. Tan mir, Kamal. Emir Doudrav, justement, la Turquie, les concurrents turcs avec le Qatar, qui nous a dit, San. أتاس نث مكيقارن يسن فارن يمكن أتبدل نؤذ من الزير ولا نتمزغى سومثا الغار يرند الجراند يروال نسن تموت القبائل دكتور سعيد سعدير أتدي نفس مسليني سنث إذا كان مسألة في جد في التكان التوكين كذا قطرين وكنين أتبدل نؤذ نتموت القبائل Ah oui, il faut dire que c'est un franciste qui est chargé, selon le docteur Saïd Sadi, pour concrétiser les projets de concurrents turcs et qataris en Algérie, notamment en Kabylie. Donc, justement, Saïd Sadi revient et dit net Billy, justement, qui a pour mission justement d'anesthésier la révolution du 22 février par une fatwa. Pas d'idéologie. Et je suis juste d'Aoudachidner, pas d'idéologie pour Rachad, ça veut dire il n'est pas question de discuter sur les valeurs fondamentales et les principes fondamentaux. Donc, nous, on a mis des choses, Rambli, qui m'a dit d'Amkran, c'est la Kabylie. La Kabylie, elle est laïque, la Kabylie, elle est d'essence démocratique, la Kabylie, elle défend justement les valeurs universelles, elle défend ses valeurs fondamentales, et bien la Kabylie ne peut pas marcher. D'ailleurs, ils ont l'expérience. En 91, toutes les régions d'Algérie ont voté fils, à part la Kabylie. Ça veut tout dire. Donc, ils ont tiré les leçons du passé. Donc, les islamistes, réellement, au fond, dans Tim Sirinzen, le mouchkel qui se pose, c'est par rapport à l'Ikhrani Maghreb, par rapport à l'Ikhrani démocrate, ils ne tirent pas des leçons du passé. Alors, donc, Nouni, donc Rachad, donc, Mizram Bli, Fkimassin, la Kabylie comme problème. Eh bien, ils étaient conseillés, justement, d'après Saïd Sadi, les spécialistes turcs, on peut dire, en quelque sorte, Nenasi et Erdogan, il fallait vraiment bien réfléchir pour conquérir. Il nous reste la Kabylie et l'Afrique du Nord, mais principalement, bien sûr, la Kabylie. Et Wakin Zmerad Saadine Smensen, et Wakin, ils peuvent vraiment justement dominer toute la région. Donc voilà, Rachid Achidine Saïd Sadi, par rapport à la question de la conquête de l'islamisme à travers Rachad, et justement, ils vont ramener la Kabylie, ils vont l'endoctriner, et principalement, bien sûr, ils visent principalement les jeunes, à Khatar les jeunes, justement, ils manquaient de culture politique,
Et c'est pour ça que la responsabilité incombe à l'élite politique et associative et intellectuelle et dans tous les domaines de s'impliquer parce qu'il y a un véritable danger en Kabylie pour la question de l'islamisme. Voilà, Rachid, et تنميه كمال ميد بوغم سلايغ افو موسيو نسلم رشاد ذاكن دكتور سعيد سعدي يفكيس نسيني وليهن ويفن نزغ داشو ثنا كمال ما تبقى تدي نيرس فرانسيس داشكو لو قد تفاغن تمسلين فرناكي مسلين تقبيليت يوليهن سيدي ركومونداسيون دونك دكتور سعيد سعدي إلى تدي نيرس فرانسيس إلى دو ركومونداسيون qui ont été faites à Rachad selon Dr Saïd Sadi. Est-ce que tu peux nous parler, Mazmar Bmslev a fait les recommandations qui et dernier des jours et des souhaits et à quelle fin? Donc justement, les deux recommandations, Nasma Khadman et Rachad, et auxquelles justement ils peuvent conquérir principalement la Kabylie, il y a deux choses. Il faut qu'ils renoncent à la violence collective, violence utilisée par le fils. Donc, d'abord, Noni, il tire la leçon. La question de la violence, ce n'est pas une solution. Et c'est pour ça que Ahmed Soi disant, Taït Nsemia, c'est le mien. La deuxième, donc, il privilégiait la séduction de la Kabylie, utiliser la ruse. Donc, c'est un déclimat, c'est un tarché. Et c'est pour ça que c'est très important de répéter Billy Oufud, une banderole, un ni, qui est ni, un maire des aides, des matoubes, même combat, Rachid, c'est un indice très important à interpréter. Donc, la recommandation, c'est quoi? C'est de séduire le Qbayel, à ce n'est rohi ou n'yout yiwot, à ce n'est qzbi yiwot, n'yishir yiwot, n'am khaddmen, ahrarna le Qbayel, etc. Mais dans la réalité, c'est juste pour nous utiliser comme étant un moyen pour arriver au pouvoir. Et c'est pour ça que ça a insisté, il a parlé des idiots utiles. Alors, les idiots utiles, oui, d'ailleurs, justement, qui refusent de voir la réalité, et Vran et Win la Kabylie comme un cadeau à Stephen et les islamistes. Et la deuxième recommandation de Stephen Eshabn Rachad, justement, ok, et s'éloigner de la violence, on peut dire, la violence proprement dite, la violence, la violence politique, en s'attaquant à Shrawini Lanas Mbekim. Parmi eux, par exemple, Saïd Sadi. Parce que Saïd Sadi, il refuse de s'allier d'Idson, il refuse de faire des concessions d'Idson. Et d'ailleurs, c'est pour ça, justement, il visait les idéaux utiles, parce qu'Arachid, l'un parmi l'ancienne famille politique de Saïd Sadi, malheureusement, ils ont fait des rapprochements avec Chiraoui Khilin, responsable des assassinats pendant la décennie noire, où il y a un Tahar Jaoud, il y a un Boussebsit, plus d'une centaine de militants de RCD à Yumouthun, c'est l'un qui m'a dit, l'un qui m'a dit, l'un qui m'a des accords tacites, soit frais, mais il y a un machin de Tinan Kouakbel. Donc voilà, Rachid, les deux recommandations, nous avons fait un Sahab Rachid, il y a un Zmerin, Adrian la Kabylie, Axdoun. يوكلنا تساعدين في وقت ونسن السم كان ميرثا كمال دي تيريث تيرين وزيلن كان يبقونا كوكاد غادي تولين هكا كي صغير يمكن نفهم من مليح وكاد غادي تولين اسوير نتسلطا كي بكا سعيد سعدي نصبو شكاس نكو سو سخسير انكارو عندا سعيد سعدي يجد يوم السخسير ويغاد فلاس ثم تديني ذا شو سخسير كير وتشادينين ذا شو تيريت سعيد سادير ذاك دكتور سعيد سادير انك باللي ذو الاقرار ضغى نعاود ياك اين تسناك ثنين في عمر وثين سنم اي سيطفو ذافو سي 62 ارثورا نار الا مثل ما تبغي ديال فرانسيس دكتور سعيد سادير سي بوزي اون كيسيون بيرتينونت كي فوتيل رجوي لا سيل كي ا كوندوي ا لارابو اسلاميزم au pouvoir en 62, à Oufane Kamal Abdener, des choses terroristes. Saïd Sadi, il n'aide Belli, justement, c'est pour ça qu'il est, dans sa contribution, il était arraché pédagogique. Il a pris l'exemple de la révolution algérienne, il a vu la stratégie, comment l'arabo-islamisme a pu
vaincre sur les républicains, les démocrates, il n'est pas lié et oui, on va tirer des leçons. Donc, Saïd Saadi, il s'est posé la question, faut-il rejouer la scène qui a conduit l'arabo-islamisme au pouvoir en 62? Saïd Saadi, bien sûr, il était catégorique, il ne faut pas la rejouer. Pourquoi? Parce que ça, ils mettent des familles où, justement, les militaires et les islamistes, le système politique n'est pas sûr actuellement. Donc, Saïd Saadi, il doit le dire, à la dictature, une casquette, la dictature, les islamistes, ça a lieu, on y suit. Ça a lieu, on y suit. Donc, les islamistes ne cachent pas leur contact avec les militants, enfin avec les militaires, je veux dire, avec les militaires à chaque fois qu'il y a l'occasion. D'ailleurs, même Saïd Saadi a parlé du contact de Rachad, les islamistes, le Wahid Gaïd Salah, à ce moment-là, il y a eu toute une tractation, et il y a eu le chemin de l'Hakama de négocier une Dilsen, qui justement les démocrates, qui ont eu les Mazirans, etc. Donc, Saïd Saadi, il n'est pas même c'est le FLN qui a fait voter, et le FLN sous-entend l'armée, parce qu'à l'époque, parti unique en 84, il y a l'armée qui, c'est l'armée qui dirige. Donc, juste un exemple, le code de la famille en 84, c'est céder le pouvoir, le pouvoir aux islamistes. C'est-à-dire, un statut mineur à vie, bah c'est la charia, hein, c'est clair et net. Donc ça a dit, voilà, il a donné un exemple. Donc le le désaccord nilan, hier les islamistes de pouvoir, c'est juste une question tactique et non pas stratégique. C'est l'heure de la prise de pouvoir ou partage de pouvoir. Parce que là, il y a des islamistes de militaires, de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a l'arabo-islamisme qui a l'école de l'arabisation, ou la femme a donc c'est question de partage, de partage du pouvoir. Voilà un isme juste qui me fait une cachouille. Donc il fait d'un bien le mal qui n'est pas composé d'islamistes, mais ils ont enterré le projet de la Souma. Donc c'est pour ça qu'il y a des rapprochements sur un plan, justement idéologique, un plan de vision, du monde. Les ulama après l'indépendance, les Hussein Din Goura justement a dit chemin des Graoulan 54 nous Hussein Din Goura, mais après l'indépendance nous on est mais les démocrates, les républicains, ils n'ont pas de place. Et d'ailleurs il faut que ça ait dit net que Adaboul Zaïre Isra le Rachad vraiment n'est pas une alternative. Donc c'est une manière un peu de maintenir toujours le totalitarisme militaire et instaurer la dictature. Et d'ailleurs, ça donne une petite contribution. Anidine Abli, Adaboul Zaïre, Ibn Adibli, il commence à se renforcer, à fermer le jeu démocratique pour aller un peu plus dans la dictature, à travers justement un certain nombre de décisions de l'Intoura, il n'est pas d'accord avec Lidzen, il va être arrêté et mis en prison. Donc justement, à Wali Wangarou, justement, il y a de quoi vraiment de tirer justement des leçons. Et donc, c'est un thème la plus importante. Justement, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Et c'est pour ça qu'Assa, oui, il est vigilant. Ou de nouer à Adnakbel, ne serait-ce au niveau de la Kabylie, ou de nouer à Adnakbel, Adnaoud. Les mêmes erreurs, c'est-à-dire la Kabylie, il a une vision du monde où on doit veiller
à ce que la Kabylie reste un espace d'expression démocratique, la laïcité, les droits de l'homme, les droits de la femme, la citoyenneté d'une manière générale, et oui, de, justement, un roi vers une certaine convergence au niveau de la Kabylie, mais aussi on a besoin justement de ne pas accepter d'être justement, qu'est-ce que Nissima Saïd a dit, des idiots utiles. Ou de Noured Nokbel, Adnili, des idiots utiles. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire il a Kananikni de s'affirmer autant que citoyen qui aspire justement à l'instauration de la démocratie, d'une république sociale et avec des valeurs fondamentales bien claires, universelles. خاطر ولاش الفرق ني لانيير يوني لي الجيريان ني غدا قبايلي ني غان امريكان ني غان كنديان ني غا ني غا دي نوتر ناسيوناليتي يويد دنناغ يوكن لا سيتويانتي سي تيل كي فا اربيتري اي بيان سور برينسيبالمون ثم زغا يويد ريكونكيرير اي كوريجي ليستوار باسكو ils veulent nous imposer une idéologie arabo-islamique. Donc, doivent rester ce qui caractérise la Kabylie. À خاطر la Kabylie ça a une identité, là où il va changer cette identité là. C'est ça le problème. La Kabylie, il faut dire la vérité à Rachid, depuis 80, c'est grâce à la Kabylie que la question identitaire il a pu se propager sur tout à toute l'échelle, on peut dire, d'Afrique du Nord. Donc c'est pour ça que la Kabylie, ils peuvent payer des milliards, le Qatar et autres les autres islamistes, ils sont capables de payer des milliards pour soumettre la Kabylie à leur idéologie. Bon, on a confiance, quand même, il y a de la résistance, quand même, il y a pas mal de militants sur le terrain qui vont faire face, mais il y a un véritable danger, principalement par rapport à la jeunesse. Voilà, Rachid, je vous remercie de venir. Monsieur Niwid Dixiouen, la contribution, les avertissements de Saïd, parce qu'il a bien souligné dans sa contribution, il a dit l'heure est grave. Donc, ça veut dire que, et c'est ce qu'il dit, c'est quelqu'un qui a une expérience sur un plan politique, toute sa vie, c'est la vie politique. Donc, ses observations, ses avertissements, ses anticipations, et oui, il va les prendre en considération et les prendre au sérieux. Voilà, Rachid, je vous remercie. Tiens, Kamel, t'as une merveille, ou t'as une merveille, quoi, à foutre, كاكيد النهار قوا ليك سعيد دكتور سعيد سعيد وينك عن ترميث غزيفن قلنا كي غسرفان ذو الاقران انزل نسمح ساس خاطر انك باللي تساعد تقرأ قصيحة تسوى قصيحة تتطاز إلا قد نجير نحذر النار إلا قد المقل سوال انك كي نزمني اثناء لصاجاس وكني المقل فيك أنا قبلك تكثي وينك اللي تسن سيبارا ولا هذا وينك يبغان احسن جرن اما نكوني سي قباليين اما الجزائريين اما ما زيرن سومثا هير الها الحذر الها وكني انا نزل نزمير انا ممكن انا الحو غنزدات سوا زال لنا سوا ممكن لا زنكوني اكيكيري دو ساغا تاكيرا نوطونا كير نسنقذ ومن فكراني إثيك نظام نشكو الدكتور سعيد سعيد وين دي تسمونا طاس طاس قريب يلا أما لا سيكوال لقون رجي ونواسد دي روس نف ثلاثة تكتي وين هين كنير نتكست أزال ونتبقون نمتكا أتيد نسهم وقد نقارنا نشكو ترى نزقاد يوث نتليت ندام دا نقارنا نتبقون نوغير هين كنير نتكو ساك نفكيس ونيتي وكنير أكيد نعرف سوى ذم أصل زرين أوديو فيزيوال أكيد دانير نتسك دانير يكو ثم غليوين نسرتي نيجز ننسعى تلاوين ذي تمتسير تقبلي تمازيق سومة تاريه كيد يسال تجيران تدويل تكيان وسنقل ذي سيان مليل سلط نظام وندين قيمات ذي تلوين